Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie, éducation, sociologie, arts et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trézil. Amis téléspectateurs, télélouanges, auditeurs KPN, c'est un plaisir pour nous rentrer la CAIO pour nous capable présenter l'émission Regard. Non, moi, c'est Jean-Samuel Trézil, vous connaissez déjà. Je dis à son plaisir pour nous gagner avec nous sous plateau émission Regard. Pasteur Enoch Saint-Pierre. Pasteur Enoch Saint-Pierre, c'est pasteur, donc c'est avocat et il est responsable plusieurs ministères dans le département de la Tibonite. Pasteur, son plaisir pour nous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Son plaisir pour nous ensemble, Frère Trézil, pour nous capables ensemble dans Télé Lourange, dans le SA. Moi, salut aux auditeurs qui sont à côté de nous et à travers le monde, surtout spécial côté haïtien. Chaque examen, nous, et chaque pasteur qui est dans le ministère avec nous, chaque groupe, nous sommes contents pour nous ensemble dans le SA. C'est ça, pasteur qui bon vent maintenant Borisia, me connaît que au gain ministère dans la Tibonite ou pas Borisia, non la Coupe Boston qui bon vent maintenant Borisia, ça au poté. Qui bonne nouvelle au poté. OK, bonne nouvelle là c'est toujours parler de Jésus-Christ, mm-hmm. C'est le sauveur nous. Mm-hmm. Qui était mort pour sauver l'humanité. Donc raison qui mène nous dans à Boston, c'est parce que nous t'es New Jersey, nous t'es nos programmes, nous rencontrer avec Evangeline Jemina. Et puis, de là étant, nous pouvons venir à Boston ensemble avec nous. Donc, nous sommes contents pour nous là et pour nous capables de parler. Et pas mal de pasteurs, si nous avons passé nous prêcher avec la CAIO, tels que donc, le pasteur Maximon, mm-hmm. Le pasteur Diboni Pierre, mm-hmm. Et le pasteur Fritzner, et le pasteur Solini, et nous avons Gourou Tchabobouli, si nous sommes capables là, donc c'est lui-même, de référer nous avec Carlo dans Radio Eco. Éco-évangélique mm-hmm. Et permettre que nous sommes capables d'arriver dans Télé Louange jeudi. Généralement, on connaît le ministère, son bagage qui, c'est pas un bagage qui est facile d'après tout ça. Moi, attendez, donc, mais nous toujours prenons le temps pour nous demander, pasteur, comment fonctionner et qui s'est mené dans l'évangile là-bas. Ça, c'est important pour nous connaître plus ou moins le parcours et nous t'a dit la vie spirituelle ou qui ça, comment on fait arriver à la conversion, t'es né dans une famille chrétienne ou bien ou décidez un bon matin, on dit bon, on va pas accepter Jésus-Christ. Bon, moi personnellement, moi né dans une famille chrétienne. Elle maman moi bois l'église, papa m'était converti mais il était quitté ça, elle me commencer gain connaissance. Mm-hmm. Donc de là étant, moi prends Jésus comme sauveur personnel moi senti très important, moi servir bon Dieu, moi suivre instruction maman moi était bon moi et puis m'aller à l'église et je dis Anne devenu comme un leader pour chercher nom pour Jésus. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, de très tôt, à quel âge comme ça? 15 ans, 16 ans, 20 ans? Donc, normalement, moi, là, depuis que maman m'a mené à l'église, moi, j'étais là. Mm-hmm. Mais je commençais à prendre ça au sérieux à l'âge de 16 ans mm-hmm. Et je me fais devenir membre de l'église. C'est ça. Mais et le ministère, c'est qui laisse ça commencer? Bon, normalement, depuis m'entrer à l'église que je marchais à, depuis à 17 ans, je commençais à entrer dans le groupement, à fonctionner. Et puis, je devenais là d'un moniteur. Et après quoi, moi, je suis devenu ordre comme pasteur en 2007. Donc ça, Annie, ça a bâillé au moins 11 ans depuis que j'ai milité comme pasteur. 11 ans et pastorat, c'est un gros bagage. En même temps, des gens qui, dans le pastorat, ils plaignent un peu. Je dis, bah là, c'est un bagage qui est difficile. Comment vivre le ministère ça? Qui obstacle, qui plus gros obstacle? Et qui ça faut arrêter toujours, malgré si il y a obstacle ou pas? On peut pas dire si il y a obstacle. Qui est le plus obstacle pour rencontrer comme, alors, avant tout, normalement, le ministère nous, c'est le ministère de Pentecôtis, mm-hmm. C'est social là, Saint-Marc, la Combe, dirigé par le pasteur Hérol Chéri. Nous habitons Saint-Marc, mais le ministère nous dirige actuellement, c'est le même ministère ça, Pentecôtis, c'est la zone de Langounaïf. Donc, mais nous rencontrons des difficultés. Dans le ministère, pas pagain. Mm-hmm. Parce que si Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver les hommes, il rencontre des difficultés, mm-hmm. Il est prêt pour nous, pour nous-mêmes nous connaître avant la difficulté. Mais
malgré ça, qu'on encourage nous, c'est parce que nous dans Jésus. C'est bon Dieu qui relie nous. Mm-hmm. Pour faire travail là, il encourage nous. Est-ce que je peux attribuer ça, Jean, je dis souvent, très souvent, Satan à l'œuvre, hein? Non? Bon, oui, Satan toujours fait des activités, il est toujours là, mais nous comptons sur bon Dieu nous-mêmes. Donc, qui s'applique ce marque dans le ministère? Bon, ça qui marque nous, c'est parce que nous, il y a une série d'activités, de bagailles que bon Dieu fait avec nous. Il y a des circonstances côté de bon Dieu, mettez-nous dehors. Mm-hmm. Et puis, dans le ministère, on peut rencontrer. Pendant ce temps, on va servir les gens, et puis parfois, ils vont mal comprendre nous. Mais n'empêche que, pour ne pas avancer, parce que Jésus qui met le travail là, donc, il va nous mandat pour nous faire le travail là. Donc, c'est ça, nous sommes capables de marquer nous, même quand le ministère est bien, là, dans bon Dieu. Même les difficultés, mais les côtés arrivés, c'est bon Dieu. Ça que marque je dis assis ma verre là, ma boston c'est ministère complètement là. Mm-hmm. Dans quel sens? Donc par exemple, si je suis dans le ministère, m'a servi bon Dieu, m'a tapé une invitation pour venir, nous jaser, non fête d'action de grâce. Je dis à rencontre que nous faisons avec Evangeliste Jemina, c'est parce que ton chef nous fait rencontre ça avec elle parce que nous avions, ça que nous le corbeau. Parce que nous avions. Et puis, quand ça, il vient dans le ministère à nous, et spécialement à Pasteur Ewa Chéri, donc il est ordonné comme évangéliste, donc qui permet de dire à Boston. Si on bagage en plus que je suis joué, toi dans la zone ça, je pense que nous avons dit c'est grâce à l'évangile avec le ministère. Pasteur, ces derniers temps, nous avons traité un sujet qui paraît un petit peu rapide au presto, qui paraît très, très bizarre ces derniers temps. Il y a un peu de critique qui tombe sur le secteur protestant et bon. Par contre, c'est vous-même entendez ou bien si c'est moi seulement entendez comme mon petit casse dans la presse. Il y a un pile de critiques qui tombent sur le secteur protestant. Ou ça vient dans l'attention? Ça arrive dans l'attention? Il y a toujours des critiques, peut-être que tu as dit dans qui sens critique là? Bon, et est-ce que l'évangile qui a prêché à ces vrais l'évangile là, surtout en Haïti, ou pas tant de bâle ça? Prophète, autoproclamé, et. Etc. Ou pas attendre ça. Bon, l'évangile. Ou attendez. L'évangile est une puissance. Et m'a demandé si, par exemple, quand on a l'autre gros acte qui était posé, m'a croisé dans la zone de la caille, côté gain un pasteur qui marié deux timons qui ont moins que 14 ans, qui était marié, on a beaucoup fini d'entendre qui s'est sorti dans la question. Bon, genre de bagaille ça, surtout que on n'a pas trop intervenu sur yo, parce que les réseaux sociaux, yo, quand pile bagay yo dit qu'on sait la vérité ou qu'on menti. Donc on pas trop été sur yo. Mais en aucun cas la loi va pas permettre que pour marier un petit monde qui n'a l'âge comme ça. Si pour ta marier li, tu as un incident sauf que d'après la loi, c'est président de la République tu as dû signer ça. Faut au moins tu dans 16 ans, tu as 16 ans, tu as 18 ans. Ça c'est ça la loi dit. Ça la loi dit. Mais ça pourquoi j'aime arriver ou cas qu'on s'arrive. Non, pour beaucoup de jamais. Mm-hmm. Parce que nous, non seulement nous connaissons ça, la loi dit, et puis nous sommes obligés d'appliquer ça, la loi dit, sa Bible a dit. Parce que si nous avons l'âge comme ça, parce que nous avons pour marier responsable, c'est ça nous faisons. Qu'est-ce que la Bible a dit sur ça? Donc la Bible a dit que nous sommes capables de marier. Mais qui caractéristique que nous devons gagner? Tant pour qui ça? Et par exemple, deux personnes qui sont chrétiens à vivre, ils répondent à la condition pour marier. Par exemple, ils ont une capacité et capable de dire normalement de l'âge où ils doivent vivre pour marier. Et puis, ils doivent vivre selon Jean-Baptiste Mandela. Donc, c'est ça que je dis. Mais c'est la loi haïtienne qui dit non que, mais qui l'âge pour un monde marié. Donc, il faut qu'on ait 18 ans. Il faut qu'on ait 18 ans. On prend, c'est la salle où on pasteur tout de suite, on va payer lui pour le mari, on tient mon mandat. Maintenant, ça concerne par exemple la question prophète qui est en Haïti, qui a fait guérison par-ci par-là, miracle à gauche à droite, ou pas attendre parler de Baïsaïe. Ça va concerner vous. Bon. Ça va trop concerner. Pas trop intéressé. Pas trop dans la logique, ça. Ça va me relever son puissance liée. Il y a des gens qui comprennent que. C'est la puissance. L'évangile est une puissance. Il y a des gens qui comprennent que des gens convertis, ces paroles-là, donc, pas qu'il y ait un miracle qui fait, pas qu'il y ait une guérison qui fait, ça, on est capable de faire. Mais cependant, il y a un Jean-Bible a dit,
Donc là, il en marche un peu. Un petit éclaircissement pour téléspectateurs qui attendent nous là. Qui j'aime Bible a dit, par exemple, pasteur, pour miracle fait? Parce que ça, c'est une actualité liée. Et bon. Mon interview, en pile pasteur, en pile monde qui est dans l'église, son actualité liée. On partage l'expérience nous avec, par exemple, monde qui ne connaît pas, qui regarde la télévision, okay. Qui ne pas trop connaît. Qui ça la Bible dit, par exemple, pour miracle? En d'autres termes, miracle, il est là pour les incroyants. Pour que permettre que le monde capable de Jean bon Dieu grand et qui s'agène dans bon Dieu. Un gros exemple biblique. Oui, parce que c'est ça. Nous sommes capables que les pieds et Jean, pour la belle porte, non, il te dit, bagage la jambe, non, non, Jésus, les vaut marcher. Donc ça, il permet en pile monde ouais des puissances dans bon Dieu. Deuxième aspect, Dieu a fait un miracle pour nous. Parce que dans ces circonstances, que nous faisons des bagailles. D'ailleurs, moi-même, en chrétien, pas besoin de courir des miracles. Parce que Jésus, c'est le miracle que Jésus déjà. Si je gagne déjà, un miracle pas qu'à toi est étonné. Donc c'est comme ça que nous sommes. Mais sa Bible a dit, dans Marc chapitre 16, c'est la 18, il dit, même il y a quand même des gens qui croient, dans un homme, il a chassé des démons. Il a pris de nouvelles langues. Il a pris à madame guéri par l'imposition des mains. Jean-Pierre et Jean t'ai fait bon, la belle vote là. Jean, Jésus t'a dit que tu as parlé avec moi. Bon, je vois que déjà dit, le prenez à tous les vos marchés. Donc ça a montré que c'est ça. Tout l'autre bagaille que mon a fait, si vous pas dépend de la Bible, il n'y a pas de Dieu. Tout ça, vous avez fait. Il met tes miracles depuis il n'est pas en harmonie à la Bible, il n'est pas de Dieu. C'est comme ça que je garde pour nous. Et au même temps, tout ça, ouais, ça qu'a fait, c'est qui l'ignore. Ce qui l'ignore, parce que. Non, parce que je suis passé comme pasteur. Non, il y a des bagailles. Même si on voit, c'est comme ça que je tout. Non, nous pas même gens parce que c'est pasteur. Non, l'homme dit, ouais, ça veut dire que même gens. Après, nous avons des bagailles, on va parler de la rue. Et sur YouTube, tout est basé sur ça. Mais je vais expliquer comment le miracle est un signe qui accompagne les chrétiens pour travailler là. Le signe ça est là pour permettre que les gens aient la valeur de Dieu. Donc, en croyant, Dieu a fait un bagage dans la vie pour permettre que réaliser. Pas de bagage. Par exemple, pendant que dans le voyage, je suis passé à Brooklyn. Je suis allé une dame pendant que je suis prêché dans l'église. Et puis, le Seigneur a mis dans le cœur moi, pour me prier pour tout leader de l'église. Avec tout le monde qui a fait avec quelqu'un. Et je commence à prier une dame qui est tombée dans l'autobus. Et il fait 4 strokes. Et dame dans le machin combattant. Et puis, il descend. Pendant que je suis allé, le pasteur dit, ou puis, pas bon, il te chute à côté. Il dit, pourquoi il va descendre à terre, il va coucher sur le ventre. Moi, je ne connais pas. Moi, je prie. Et là, je fais une prière. Dans deux mains, il me dit, mais ça bon, il fait pour les films bouillés. Il tendait ça me dit à genoux, mais à terre. Et puis, il levait son bâton. Gloire à Dieu. Mais on regarde, par exemple, dans le cas. Là, tu as un bambou, là, ce n'est pas un. Non, pas un petit prescrit. Ok. Ce n'est pas ton bout, tu as un bali. Je ne vais pas dire le point pinaise, etc. Ah, vous êtes content de bailler. Je ne vais pas dire le fait. Vous êtes content de bailler. Non, je ne vais pas dire le point combé citron. Seulement, moi, je dis que je prie. Mais ça va pas arriver, ou dire ça tout. Non, je ne vais pas dire ça, parce que je ne vais pas dire. La Bible te dit qu'on s'agit de miracle, il te dit que prends citron, etc. Si vous êtes malade, docteur, qu'on s'agit de docteur Gagé, ou bon médecin, fait, même moi-même, en tant que mon bon Dieu, je ne vais pas dire ça. Bible a beaucoup dit ça. On nous garde par exemple, je dis, il y a des dons qui, alors, je ne vais pas les quitter, mais qui sont dans la Bible. Les dons spirituels. Dons de prophétie, dons de guérison, dons de parler en langue ou bien parler en d'autres langues. Est-ce que je dis, dans le miracle, est-ce que je dis, selon vous-même, vous pensez que nous sommes capables toujours parler, par exemple, de dons ça? Oui, parce que la Bible a parlé, elle a toujours existé. Don sa yo yo pa permanent nan yon moun. Qui est là de yo? Tous les 9 qu'on parle. Yo pa permanent? Oui. C'est Dieu qui a fait ça. Que fait, chrétien pas besoin de prier pour dire c'est bam don de guérison. Bam don c'est si le bon. Pas besoin de demander ça. Il distribue selon volonté. Selon volonté. Ou capable de demander bon Dieu pour faire cadeau le Saint-Esprit. Alors vous les manifester dans où? J'en ai voulu. Dans le cours de service,
Dieu qui a utilisé dans ce service-là, au moins une parole de connaissance, une parole de sagesse. Donc, il y a une prophétie. Dieu qui a opéré des miracles dans le service. Même j'aime cette bonne explication, ça qui est fait là. C'est un bagage qui fait. Après, pour me tourner, les dames m'ont dit, même les gens qui sont à Haïti, que bon Dieu utilise pour une guérir, je dis non, c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas moi. Pour continuer ça, s'il y avait 10 pour nous, je me dis. Donc, vous priez au nom de Dieu, du Seigneur, et puis. Si 10 pour nous, je me dis, malade, là, vous guérir, et les gens ne vont pas guérir, on va dire comme ça que. On faut. Non, c'est Dieu qui guérit. Dans ces circonstances-là, Dieu te voulait libérer lui-même. Ça que ça, au fait, au coup de service, pendant bon Dieu qui a utilisé, parce qu'il n'y a pas permanent dans le monde. Okay. C'est à faire bon Dieu les dons spirituels, Dieu qui a utilisé. Quand on est devant la télévision, là, et puis mon abgadim, là, et puis ils font la prière, et puis le monde est touché. On pense aujourd'hui à tout, on n'est pas déclaré tête lui prophète. Non, qui prophète l'a parlé? Est-ce que c'est prophète parmi les dons spirituels qui sont à l'église là? Ou bien si vous faites l'idée de faire miracle, on ne connaît pas. Donc, vous parlez de la prophétie dans ce paravème-là. Dans de prophétie. Donc, pour annoncer. Yes, parce que. C'est un prophète longtemps. Et bon Dieu parle avec vous. Mais l'aime lire dans Hébreu 1er, son texte moi-même, par exemple. Au cas où vous êtes capable de garder. Hébreu 1er, verset 1er. Ça a toujours parlé. Je vais rappeler, les amis téléspectateurs, nous, avec le pasteur Enoch Saint-Pierre de. Mais c'est pasteur, c'est avocat, et puis il a dirigé le ministère li est plus centré dans l'Artibonite. Nous parlons pour nous faire parler avec sous ça tout à l'heure et sous ministère li, et qui perspective li gagne. Mais nous avons une question de don. Hébreu 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Qui sont allés me dire. Et deuxième partie. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Alors, je devais regarder, est-ce que je dis, je suis capable de parler de don de. Est-ce que je suis capable prophète ou bien apôtre? Et ça, bon. Et ça me dit. Et. Li Bayo, j'aime qu'à expliquer, si tu es dans Éphésiens 4, verset 11 là, il dit que l'Ibaye pour aller à l'église, pour perfectionner des saints. Il y en a pas moi qui a passé à travers le monde dans le secteur protestant, secteur évangélique. Non? On dirait que vous pensez dans l'église locale, faut ou t'aouais tous les cinq dons ça yo, yo chita là. Vous dites voici. Ou pas pour ça vous-même. Non. Voici le pasteur. Voici le docteur. Voici l'évangéliste. Voici, etc. Tout. Elle dit. Mais pour faire là, mais. Ben, c'est pour faire là. C'est pas salier, non? Qui salier? C'est pour la fin des saints de l'église. C'est pas une église locale. C'est l'église de Jésus-Christ. Parce que. L'église universelle, on va parler. L'universelle de Jésus-Christ. Parce que, un évangéliste, les cas, membres, non assemblés, mais travaillent à l'équipe. C'est au dehors. Chercher les âmes perdues, faire des croisades. Mais l'on tenait compte de ça, la Bible dit, par exemple, la Bible dit que aller. C'est comme si c'est la grande commission pour tout le monde. Pour tout c'est monde. Comme si m'dawe non perspective tout le monde a responsabilité ça tout le monde gagne pour aller, c'est vrai. Mais l'évangéliste il a un don spécial de cette manière à cette façon. Donc il a un don très spécial. C'est ça. Là pour ça on pose et on a pu rappeler encore une fois nous avec nous pasteur Enoch Saint-Pierre qui dans avec nous dans l'émission Regard et n'a pas observé on pose tout coûte n'a tourné tout à l'heure était branché s'il vous plaît. N'a pas encouragé ou télécharger application ou bien download application Télé Louange là sur cellphone nous cherchez également Télé Louange sous boîte ou coucou gain et puis like us on Facebook and YouTube c'est une façon pour cap aider nous continuer faire travail ça comme ça on toujours été connecté ou pas jamais perdu aucune information à grand conseil réveil servicio conférencio en direct sur channel Télé Louange là Télé Louange une nouvelle vision une nouvelle dimension, une nouvelle conception de la propagation de l'Évangile. Moi-même, c'est Bishop Dr. Sam Célestin. Je m'a profité de garder Télé Louanges every single day. Il nourrit dans moi et il bénit tout. On nous dit bon Dieu merci pour le groupe ça, Télé Louanges. Télé Louanges qui a fait un bel travail. Maman de vous supporter. Si toute pasteur veut supporter Télé Louanges, mon cher Tagapil, protestant qui t'a
qui t'a converti en chrétien. Que mon Dieu bénisse. Nous-mêmes, groupe Révélation, nous gardons télé louange. N'importe côté nous passer. Dans le monde entier, de vous garder télé louange, c'est là l'évangile la chita. Révélation, télé louange for life. Parce que c'est l'âme branchée, c'est l'âme dormie, l'âme levée. Nous allons faire le même travail là. Choix pas, non. Télé louange. Regard. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trézil. Pasteur Enoch Saint-Pierre, ensemble avec nous, dans l'émission Regard, nous retournons et dans la caillou avec l'émission ça. Et on a annoncé ça avant que nous prenions pause là. On a regardé, par exemple, ministère au pasteur Enoch, nous voyons que vous faites un pile d'études, mais. Ou c'est membre d'une organisation internationale qui est le MICACHO. Ça, qui ça lie exactement? Ouais, donc à part de ministère, que nous c'est membre de MICACHO, qui c'est sigle en espagnol, qui c'est Ministerio International de Capedianes Socorro Humano. Vous parlez pas anglais? Non. J'aime la langue légère là. Bon. Et puis en français, c'est Ministère International des Aumôniers Secours Humains. Donc. Ministère et organisation ça, il prend licence en République Dominicaine. Donc, vous êtes fondé en République Dominicaine? Non. Ah. En 2009, par le révérend docteur, pasteur, Dieu mon bien-aimé. Donc, tout le monde qui a suivi nous là, si vous voulez connaître par rapport de Mekachoua, autant aller sur YouTube ou taper Facebook Dieu mon bien-aimé, et vous après tout le bagage. Donc, c'est là la licence. Donc, c'est un haïtien. Et qui ça nous gagne comme vision, mission et en perspective? Pour nous réaliser. Et donc, alors, l'administration haïtienne qui prend décision ça à l'IFEL, et puis donc, il est papillé, République dominicaine, maintenant il est entré en Haïti. Bien qu'ils sont haïtiens, mais c'est République dominicaine qui prend licence. Donc, mission, nous là pour nous porter, ou être des secours humains. Donc, qui te me dit en passant, un aumônier, et c'est un monde qui est là pour porter aide. Si nous rappelons des histoires de bons samaritains, lorsque monsieur a été tombé sur route là, et puis prêtre l'a passé, Lévi a passé, il a pu occuper, mais c'était un bon samaritain qui était prend soin, il était aidé, donc c'est un prochain que lui. Donc c'est mouvement ça, l'hypothèse aide sociale, il est là pour le poté concours avec la défense civile, la Croix-Rouge, et dans l'hôpital, et dans la caserne, ou bien le commissariat, dans la prison. Donc, côté droit moun violé tout, il y a là pour porter regard sur ça. Donc, dans ce sens-là, c'est ça que nous avons cette perspective pour que nous fassions arriver, faire devoir nous passer et droit nous passer tout aussi en dans le mouvement ça. Donc, si on veut un caractère international, nous avons un membre qui est aux États-Unis, donc, il y a un Chili. Donc, pour nous dire que le général, non, c'est Dieu mon bien-aimé. Donc, moi-même, mon garde de major, donc, je suis comme tâche sous-secrétaire général du département international, spécialement pour Haïti. Wow, c'est intéressant. Mais qui sous financement nous? Donc, nous, pas. Parce que si nous faisons œuvre sociale, pour nous faire financement, bon. Côté nous jeunes l'argent. En nous, moi, le mot aumônier. Donc, aumônier, c'est le fait de porter, aide nous, c'est dans l'ensemble. Nous, pas pour aider la seule, même faire travail à tout, mais c'est mon bagage que je mettais. Donc ça veut dire contribution assez interne liée, non pas une organisation internationale ou bien l'État haïtien par exemple qui bat nos gouttes de main. L'État haïtien pour qu'on fait ça. Peut-être par contre dans les jours à venir, ça a un coût. Ça a arrivé que notre travail qu'on a fait à l'échelle internationale, révéler à faire, ça a arrivé, il faut aider. On ne va pas trop entrer dans ça. Mais c'est tout le monde qui a porté contribution, quel que soit le côté, pour nous capables de faire ça, nous faire. En tout cas, nous presque censés arriver dans la fin de l'émission. Hein? Et pasteur Enoch, qui perspective vous en tant que jeune garçon dans le ministère pour dire les 5-10 années qui viennent là? Bon, nous avons que le ministère nous
Jean-Paul l'a dit, allons tes cordages, aller plus loin, je ne commence pas. Et pour nous avancer dans le ministère, et faire social tout dans le ministère. Nous. Donc nous sommes assez jeunes, donc nous commençons, et nous croyons, bon Dieu, c'est les habitudes de lapider nous, on avance, et nous pensons que le ministère est arrivé plus grand que Jean Cognier. Ok. Si tu as un message pour vous, bah, par exemple, même qui est dans le secteur protestant que nous avons analysé la question tout à l'heure, c'est qui ça le dit? Bon, on a dit même qui est dans le secteur protestant, c'est pour nous appeler à l'unité. Donc. Vous avez un petit problème dans ce sens-là? Oui, ça pose des problèmes. Non seulement le secteur protestant, mais la communauté haïtienne a des problèmes dans l'unité. Bien que nous disons que l'union fait la force, mais c'est communauté haïtienne, vous parlez de Haïti? Bon, on va faire politique. Je parle de Haïti, mais aussi je parle de même ça qui vit à comment vit la situation, comme pasteur, comment vit la situation à Haïti? Voilà, je vais bon. Et bon. Je vais virer. Comment vit la situation à Haïti en tant que pasteur? Comment bon, gérer? Nous sentons la situation qui a développé, n'est pas normal. J'en parle de l'unité. C'est pour nous comprendre l'autre, c'est pour nous arriver à l'admission, admissible ou bien, dans le thème, nous nourrir les confessions. Avoir des péchés en termes spirituels. Donc, côté que nous sommes capables de faire culpa, mea culpa. Donc, mettre nous ensemble pour nous avancer. Pour nous voir que les gens qui font, c'est pour bien nous que lié, c'est pour nous gérer. Vous avez été en Haïti avant le 18 novembre? Non, je ne sais pas quoi Haïti. Vous êtes bon, ou bien en sécurité, ou bien en sécurité? Je ne sais pas dire bien en sécurité parce que le 17 c'est grand pile bail qui prévoit. Grand pile bail qui passe en Haïti. 2004 décembre, on compte ça passer 2004 décembre. Ça le dit, vous rappelez nous non? On connaît, mon cher. 2004, ma pluie venait quoi du matin, les gars, les agos, cagoules, les âmes sont loin. Blabouya, mais bon Dieu, sauvez-moi. Vous savez? Bah, quand même, non seulement dit, moi, blabouya. Et puis, vous gardez, Biba même, vous quittez nous, allez, battre seul. T'es trois garçons, on fille avec nous. Ça veut dire que pour montrer que nous-mêmes, nous, c'est bon Dieu. Par exemple, nous ne pas suivre. Vous va engager dans quel mouvement politique du tout? Non, 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 non. Son choix faire? Vous pensez parce que vous pasteur, donc vous ne pouvez pas mêler la politique? Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Au contraire, c'est un chrétien qui a fait politique la Bible. Donc la Bible ne pas défendre chrétien faire politique. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que mes politiques sont scientifiques. Qui est-ce qui est bonné pour étudier en science? Ok. Personne. Donc vous êtes un pasteur moderne, plus ou moins. Qui est-ce qui va jouer aussi à ce politique au fait? Donc qui ça a gagné comme espoir pour 18 novembre qui peut venir là? Parce que il y a un pile bagaille qui a annoncé, pasteur. Vous avez vu 2004, mais 18 novembre, il y a un pile bagaille qui a annoncé qu'il a passé à Haïti. Qui... Non, sauf que nous, on comptait sur bon Dieu et on a demandé que les gens qui ont gouverné pour mettre toute stratégie au gain pour empêcher que les gens ne pas victimes, pour empêcher que bien les gens protégés. Et nous-mêmes, nous avons prié pour que le Seigneur. Donc, l'on dit, mon cap gouverneur, ou à qui est-ce qu'on parle? Vous voulez parler des chefs? Mais qui chef? Gouvernement, du gouvernement. Le gouvernement en place. C'est lui qui l'a vous informé de ce qui a passé à Haïti pendant la semaine ça. Bon, on ne va pas trop faire de nouvelles. On ne va pas trop faire de nouvelles. Vous voulez dire ça? Non, pas une idée. Seulement que, puisque nous avons commencé à payer. Ou apprendre que Moïse monte un drapeau noir. Oui, moi, ça sur YouTube. Mais qui prennent vous comme citoyen? Hein? Comme citoyen, que pour moi, ça n'est pas normal. Après ça? Parce que nous avons une constitution qui dit nous avons un drapeau bleu et rouge. Donc, pas grand rien qui dit doit changer comme ça. Pas grand assemblée qui réunit pour différents bagailles. On simple citoyen. Oublier son avocat, levé. D'oublier ça. Un simple citoyen levé de bon matin. Et puis, il prend un groupe de monde qui est annoncé par la limite. Par contre, qui prend politique, qui s'allie en tant que politicien, que le patron là. Mais ça va nous condamner ça. Ou condamner ça. Ou qu'on garde ça avec qui je regarde. Non. Un jeu juridique, ou bien un jeu politique, ou bien un jeu historique. Non. Juridique. Si je regarde toi seulement. Juridique, je regarde. Mais oubliez le contexte là. Non. Oubliez le contexte. Contexte nous, il y a un contexte politique là. Bon. Quelque chose. Son avocat, vous voyez, ou étudier droit. Bon, oui. Alors, avocat. Pas marcher en avocat en puissance. On dit ça parce que nous pouvons achever pour que nous gagnions licence. En avocat, avocat en puissance, ça veut dire que nous faisons étude là. Ok. En un mot. Ou bon formation en droit. Oui, formation en droit. Bon, pourquoi avocat licencié? Oui, pourquoi avocat licencié. Mais on chemine tout le bagaille, oui. Nous avons regardé des questions ça. 4 années à cheminer. Maintenant, 4 ans à achever études de droit. Et ça, on dit, approche ou faire, on fait approche juridique qui méritait condamné. Mais si nous avons regardé, si nous avons contextualisé sur le plan politique, sur le plan historique,
Bon, sur le plan politique, peut-être que bien déjà, peut-être c'est lui-même peut-être que qui connaît dans qui conteste que lui. Parce qu'en Haïti, tout bien ça les uns politiques quelquefois. Donc vous pensez ça qui passe à son sein politique hier? Bah fin dit ça peut-être. Ça qui vont qualifier lui-même. Peut-être ça qui arrive, mais tout simplement pour m'aller constitution que nous avons seul couleur de drapeau. Tout le monde qui veut c'est pour pays à défendre, nous vraiment ouais, on va faire drapeau pays. C'est l'ambiance, pas les trois loin avec drapeau pays. Oui, mais Léon Mounfeli, c'est lui qui a expliqué pour qui ils ont qu'il fait. Mais seulement a dit li pas bon. Couleur de drapeau apparaît dans l'article 2 constitution, je lis plusieurs fois, mais l'aime garder dans l'article 2, moi c'est pas c'est l'article 2 qui gagne dans la constitution. C'est comme si moi qu'on pile là au paquet d'articles dans la constitution, yo pas parler de yo. Et grand pile ça qui posé. Bon. Parce que c'est qui ça permet que nous gagne loi. C'est action qui posé. Okay. Les posé que il découler et puis nous dit faut nous faire loi pour corriger ou bien ça qui permet qui fait bouger parce que gen bagay ou qui vini, c'est parce que t'es des zones dérives qui fait pour ne pas faire encore. Bon loi, bon principe ou bien bon décret qui fait pour que ça va faire encore. À nous remercier, Pasteur Enoch. Pasteur Enoch, Mbako et Ougen. Vous avez tout ministère. Vous voulez nous tourner sous ministère de nous passer au début. Parler, taper son message. Ok. Mm-hmm. Donc, c'est que le message nous a dit c'est l'unité. Hein? Parce qu'il dit l'unité engendre la force. Mais la prière engendre la puissance. Donc, si nous t'a retourné dans la Bible, histoire de tout de Babel, nous voyons comment que monsieur yo t'a décidé de faire tout ça parce que yo pas de vouloir séparer. Mais dans la volonté de bon Dieu, c'est pour tout te disperser pour que la terre te repeuble encore. On va parler de l'Ige. À qui ça va faire référence? Et dans nous parler dans Genèse chapitre 11. Oui, à qui ça va faire référence dans le contexte? On va faire à l'unité. Donc, dans ce sens, le travail que tu as fait, vous êtes privé. Parce que vous toutes avez une seule vision. Vous arrivez d'un côté. Ça fait c'est parce que pas dans la volonté de bon Dieu dans l'omniscience, et lui-même, il met la confusion des langues, ça va arriver. Ça montre que si nous mettons ensemble pour nous faire n'importe bagaille, nous arrivons à faire. Avec la vision que nous avons pour nous avancer. Donc, en tant que chrétien, nous avons besoin de l'unité. Encore ça, qui c'est Christ qui s'est fait l'église là. Et si le pays n'a pas unité, il n'a pas privé. Donc c'est ça que nous avons comme le message. Et nous pas déplacer sans nous pas encore ça lieu. Et parce que nous te permet pour te recevoir nous là. Et staff télévision, administrateur, ça les pasteurs Nicolas. Et nous avons les pasteurs Soleni qui te permettent que nous venions contacter ça pour nous là. Et on a fait tous les amis nous. Et spécialement tout pasteur, pasteur Yoroy Chéri, tout collègue pasteur que nous gagnons, qui va nous saluer. Et encore, nous saluer tout officier dans mes cachets, spécialement Rivendier, mon bien-aimé. Et la présidence et aussi l'état-major Haïti. Tout gauche à boire. Tout gauche à boire. Un grand merci à pasteur Enoch Saint-Pierre. C'est un plaisir pour nous de gagner sur le plateau, pasteur Enoch. Nous souhaitons c'est pas la dernière fois. D'accord, le plaisir est partagé pour nous ensemble. Merci tout le monde, nous chapé, nous croiser une autre heure pour une autre émission Regard. C'était les amis ou Jean-Samuel Trésil. Bye bye tout le monde. D'accord. Regard. Regard se veut un espace hebdomadaire idéal pour nos concitoyennes et concitoyens de l'intérieur comme de l'extérieur. Analyse lucide et commentaires objectifs de l'actualité nationale et internationale. Religion, politique, histoire, économie. Éducation, sociologie, arts et culture. Regard, une émission préparée et présentée par Jean-Samuel Trésil.